Le jeu n'est pas sorti. Bon, je l'ai depuis une semaine. J'ai fait des vidéos, mais on m'a reproché, je parle pas et tout. Là, je vais un peu parler. Je vais vous faire un peu découvrir le jeu. Bon, on va juste jouer du coup d'envoi, mais bon, un truc vite fait. Parce que bah, j'ai pas que ça à faire. Là, le jeu, bon, comme vous le savez, c'est plus FIFA 23, c'est EAFC 24. Ouais, ça rentre direct. Je savais pas. On va jouer du coup d'envoi. Le jeu il est pas mal, mais c'est sur PS4. Il est mieux sur PS5. Je crois, parce que j'ai vu des comparaisons et tout. Comparatifs et tout. Bon, on va jouer quoi, UEFA. Moi, je joue un match classique, hein. Bon, on va faire Real Barça. Despi. Déjà, je joue pas en légendaire. Et surtout, bon, là, c'est juste pour la vidéo, mais. Je vais baisser le niveau parce que j'ai pas envie qu'on me chicoter là dans ma vidéo. Une vidéo vite fait et tout. Je vais mettre limite pro. Déjà l'effectif, elle est récente et tout, et les joueurs et tout. Bon, je vais pas perdre de temps, je vais direct lancer la game. Je sais que je vais me faire laminer parce que bah, je joue plus à FIFA. J'ai plus trop de temps pour ça et tout, donc voilà. Ouais. Sinon, le jeu, pour moi, personnellement, il est mieux que FIFA 23. Nous y sommes, bienvenue au Santiago Bernabéu. Dans un instant, c'est le match de tous les matchs, le match que tout le monde veut voir. Partidazo, Real Barça, le Clasico. Imaginez un peu, ces deux clubs s'affrontent depuis plus de 120 ans. 120 ans qu'ils sont rivaux. Eh oui, c'est la plus grande rivalité sportive du monde. Et on est évidemment très heureux de vivre ce match avec vous. Ouais, le nom de Fede Valverde qui est entouré d'une aura un peu particulière parmi tous les talents. Il fait partie des plus intéressants. Et oui, sa capacité à conserver le ballon, à ne jamais se sentir sous pression balle au pied. Son aptitude incroyable à libérer son équipe de la pression. Ce sont des caractéristiques très précieuses. Le joueur qui débute donc côté Real Madrid, titulaire dans le but, c'est Thibaut Courtois, Antonio Rudiger avec Alaba en défense centrale. Eduardo Camavinga sera épaulé par Jude Bellingham au milieu. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Dans le but, Andreas Christensen avec Jules Koundé au centre de la défense. Frankie de Jong sera épaulé par Gundogan au milieu. Et enfin devant, c'est Robert Lewandowski. Bon, j'ai passé, j'ai pas que ça à faire, j'ai lancé la partie. Le coup d'envoi de cette rencontre donné à l'instant par le Real Madrid. Déjà, premièrement, je vois déjà que c'est plus fluide parce que pour moi, personnellement, ce 3-3, il est bas de lent, il est trop lent. Je sais pas pourquoi, les passes en profondeur, c'est n'importe quoi. Ça joue vers Joao Cancelo. Une possibilité là pour centrer. Il peut tenter sa chance. Un bon arrêt du gardien. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage à Barcelone. Et attention à ce ballon donné dans la profondeur. Sans problème dans les bras du gardien. Là vous voyez mon niveau il est pas ouf, mais vraiment vraiment pas ouf. Pour Tchouaméni. Bah je joue plus à FIFA et tout. Ah bien joué dans la profondeur. Et non, elle n'arrivera pas.
De Jong. Gundogan. Message sur Gabi. Ouais, il s'est donné en retrait. C'est un ballon. Déjà, je trouve aussi que genre l'ordinateur genre l'IA, il est meilleur, il est mieux parce qu'il fait des trucs. Difficulté. Genre je quand tu es en train de jouer avec une personne et tout. C'est pour toi, Benny. Pour l'instant, le scientif, il est mieux que. Capavilla. Bon, pas mieux que, c'est pas que j'ai pu jouer, mais. Allez, peut-être bah, une occasion de but venir, à venir. Hein. Dans le dos de la défense, là. Et un arrêt qui fait du bien. Par exemple, ça, je sais pas si c'est depuis 2023. Je sais pas. Attention, il y a un pressing, il faut vite relancer. Et le gardien intervient comme il se doit. De nouveau, un corner à jouer. Ça, en fait, c'est des petits passages d'un front où c'est plus d'avérité et tout. La défense éloigne le danger sur ce corner. Koundé. C'est donné en retrait pour le gardien. Aurélien Tchouaméni avec la balle. Et maintenant, Fede Valverde. À nouveau, Tchouaméni. Voilà, tranquille, aucun danger. Ballon facile. Et il y a une faute là, il y a un coup franc pour le Real Madrid. Le ballon pour Jude Bellingham. Et sur ce tir, le gardien se contente d'accompagner du regard le ballon en sortie. C'est pas loin, mais c'est dehors. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Oh, la frappe. Oh, et la parade. Déjà, je l'ai trop, je suis en galère. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Le corner. Je pense que j'avais laissé les jambes. Ouais, bien fait. Bon pressing pour récupérer haut le ballon. La frappe, c'est contré. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Le ballon pour Alaba. Et ça joue pour Tchouaméni. Et ça y est, c'est la pause, l'arbitre vient de siffler. Le coup d'envoi de cette rencontre. Bon là déjà l'ordinateur, l'IA j'ai mis en pro, je me fais laminer. J'avais les soins légendaires, ça voulait être pire et tout, mais bon. Déjà le menu ici aussi il a changé, hein. Il a changé, j'ai oublié de parler de ça. Il n'y a pas que l'écran d'accueil qui a changé, il y a aussi le menu ici, derrière la performance des joueurs, il y a ralenti. Est-ce qu'on peut revenir genre en arrière comme le FIFA? Je crois qu'ils ont enlevé ça ou bien en fait dans le jeu. Il y a plusieurs caméras. On va essayer de suivre un joueur. Pour voir un peu le design et tout. Là on voit Courtois, bon. Je suis pas un expert mais bon. Je donne pas mon point de vue, genre mon avis et tout. Accessibilité pour NZD, le contraste. Audio. Entraîneur combat. Option pour reprendre ça, je sais pas c'est quoi. Ah ouais, on fait ce match, on commence avec d'autres, enfin. On va relancer aussi des attributs de genre de changer de côté, voilà quoi. Le début de la seconde période. Et tout. Ça, je vais pas vous parler de ça parce que bah, je suis pas du tout. Allez voir les ouais, vidéos. Bonne intervention là. Ça va être pour toi. Là, et bien vu, la passe en profondeur. C'est de remonter. Oh, sa mère. Désolé, je l'engage. Loin de contrainte, c'est de la technique, mais aussi beaucoup de calme et d'intelligence émotionnelle. Et un corner qui finit directement sur le gardien.
Je trouve que les FIFA, c'est mieux de jouer la nuit, genre autant mettre la nuit et tout, parce que bah, pour stopper l'attaque. C'est plus beau et ça fait pas mal le jeu. Ouais, c'est une première période assez banale de la part de Fede Valverde. Bon, y a rien de dramatique, mais il peut faire beaucoup. Pas de but marqué, pas beaucoup de dangers créés. Pour l'instant, c'est une performance bureaucratique, administrative. C'est une constipation créative. Je vous coupe, mais c'est chaud là. C'était la possibilité de marquer le premier but de la rencontre, mais ça n'entre toujours pas. Ses partenaires ne reviennent pas. Quel gâchis. Pas un peu vite parce que bah, j'avais déjà fait une vidéo. J'ai refait parce qu'on m'a dit que je parle pas dans les vidéos, donc je fais un peu parler. Mais ouais. Comprenez-moi, je suis tout nul et tout. Là, si je marque pas, vraiment, je suis nul. Ah, c'est. Ouh, la faute là, et surtout dans cette déjà, les fautes, bah, c'est toujours la même animation. Et oui, cette faute du dernier défenseur vient anéantir une occasion nette. Là, c'est le règlement. Design, genre, c'est un du nom du joueur et tout. On est le jeu de vraiment bon. C'est un changement là pour le Barça. Voilà, je vais le rater. Ouais, ouais, superbe défense. Ouais, mais excusez-moi, je ne sais pas encore comment tu fais les coups francs. L'option de la contre-attaque est possible. Le penalty, c'est bon, j'ai compris, mais les coups francs. Rafinha. Et c'est pour Gundogan. Rafinha. Et ça passe par Lewandowski. Ouais, je leur dis, c'est passé. Et la belle parade là. L'ordi, il est fâché. Les passes en profondeur, elles sont meilleures parce que tu crois 20 ans, je trouve que c'est. Et le drapeau la merde. S'est levé, ah, hors jeu. Et le Barça s'apprête à faire un changement. Vraiment, c'est beau et tout. Et niveau maillot, déjà j'ai vu il y a plus d'une semaine, je crois, ouais, plus d'une semaine. Je joue pas beaucoup. Rafinha. C'est plus du Fortnite. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Le ballon pour Lewandowski. Ballon sur Frankie de Jong. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Et une bonne contre-attaque peut-être. La grosse opportunité, attention. Et c'est le but 1-0. Ce match s'illumine enfin. Ce but va transformer la fin de la rencontre. Voilà ce qu'on attendait. C'est les barçons, là, j'aurais les ailes. La fin va être enflammée. Ce but a une valeur pour réveiller une émotion positive. Ça donne une manifestation amplifiée de la passion. On joue l'extérieur. Un but extrêmement important. Il pourrait bien leur offrir la victoire. Il ne reste plus que quelques minutes à jouer. Le suspense est garanti. Ouais, la recherche est facile. Heureusement, j'ai Courtois à côté de moi. Courtois à mes côtés. Je vais faire son 2-2. Il faut essayer de remonter vers la pointe et tout. Ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5. Attention, voilà un bon duel. Et un ouais, c'est bien. Et marqué sur ce corner, ça serait l'occasion de mettre un point final à cette rencontre. C'est le moment choisi par on le coach. On va essayer de mettre pour une tête. J'ai bien dit essayer. Voilà, finalement, j'ai ça n'apporte rien. Et oui, le tir. Ballon contré, mais ça revient. Tchouaméni. Ok, je vois que mes frappes sont mal. Pour le gardien. Et ça joue sur Vinicius. Et ça repasse vers Vinicius. Oh, Vinicius a quoi jouer. N'importe la quoi. La joie des Madrilènes terminée avec donc cette victoire pour le Real. Le score ne change rien. C'est une victoire et la règle est simple. Une victoire, ça vaut 3 points. On a fortement apprécié aujourd'hui la performance de Fede Valverde. Ça fait du bien de voir le vidéo. Et voilà, quand il faut mettre le ballon au fond des filets et faire gagner son équipe, c'est son nom qu'on prononce en premier. Bref, le match il est fini. J'ai gagné.
Ouais, je comprends, je sais.